ça brafouille aujourd'hui sur Veolia Environnement. On est dans du vent de sud qui nous amène vers un front. On aura un passage du vent de sud au vent de nord. Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'ordinateur, ça se passera bien, mais sur l'eau, ça va être compliqué. Donc ça va, malgré tout, on a quand même du temps pour se reposer. Le problème, c'est que le lit n'a plus de ressort. On ne tient pas allongé. Donc il faut se raconter des histoires à dormir debout. À bientôt. Bon ben bonjour à tous sur Crêpoix-Hou. Tout va toujours très très bien. Ça glisse formidablement bien. J'ai pas pu me reposer trop cette nuit parce qu'on était sous Ginecker et j'avais un peu l'écoute à la main. Mais bon, là, je suis sous Solène Grand Voile et d'ici une heure, après s'être reposé un petit peu, on renverra le Ginecker, mais le petit, parce que le grand, c'était un petit peu trop grand. Voilà. On arrive à se nourrir, on arrive à dormir, et puis on fait route directe sur la Guadeloupe. Il va y avoir des petites complications d'ici 3 jours, 4 jours, mais globalement, si ça veut bien évoluer dans le bon sens, et à l'arrivée, ça sera une route du Rhum assez rapide, tout au moins pour nous les petits bateaux, car devant, ça bloque un petit peu. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, à plus! Quatrième jour de course à bord de PRB. Donc là on se dirige vers le nord des Açores. On fait du reaching depuis hier, là il y a un petit peu de vent, un petit peu de mer et je vais vous montrer ce que j'admire toute la journée de ma véranda. Allez, à plus. Atlantique et ça commence à bien tartiner. Il y a 25 nœuds de vent, de la mer et on est au reaching, c'est-à-dire vent de travers. Voilà, vous voyez là que ça avance bien, il y a de l'eau partout. Boum. On se régale ici, on a quand même hâte d'être à plat au portant, ça fera du bien. Voilà, à demain.